Le sens de cette caractéristique de l'ouvrage serait de contraindre le lecteur à penser constamment au philosophe absent, autrement dit à rechercher par une réflexion indépendante ce qu'aurait pu dire le philosophe absent. Cette pensée dérangeante et tonifiante empêcherait le lecteur de s'assoupir, de relâcher un seul instant son attention critique. Mais Halévy est tellement opposé à la philosophie, il est tellement plein de défiance envers tout esprit de réflexion indépendante que nous sommes obligés de ne pas mettre un accent trop prononcé sur une telle ligne de recherche. Pour revenir à des bases plus solides, partons du fait bien connu qu'en dépit de son opposition déterminée à la philosophie comme telle, Halévy a subi l'influence de la philosophie à un degré non négligeable. Que signifie influence? Dans le cas d'un homme superficiel, cela signifie qu'il accepte telle ou telle partie de l'enseignement considéré, qu'il cède à l'influence sur les points qui lui semblent forts du point de vue de ses notions antérieures, et qu'il résiste sur les points qui lui semblent faibles du point de vue de ses notions antérieures. En d'autres termes, un esprit confus ou dogmatique ne sera pas conduit par l'influence en question à prendre une distance critique par rapport à ses notions antérieures, à considérer les choses non pas dans sa perspective habituelle, mais dans la perspective du fondement clairement compris de l'enseignement qu'il influence. Et il sera, par suite, incapable d'un examen sérieux, radical et sans faiblesse de cet enseignement. Dans le cas d'un homme tel que Halévy, cependant, l'influence de la philosophie sur lui consiste en une conversion à la philosophie. Pendant quelque temps, nous préférons penser pendant un très court moment, il fut un philosophe. Ce moment passé, un enfer pour l'esprit, il revint au bercail juif. Mais après cette expérience, il n'a pu s'empêcher d'interpréter le judaïsme à la manière dont un seul homme, qui avait été un jour un philosophe, pouvait l'interpréter. Car il avait fait alors l'expérience de la tentation démesurée de l'énorme danger constitué par la philosophie. La sagesse des Grecs, ou bien n'apportait aucun fruit, ou bien n'apportait qu'un fruit pernicieux, à savoir la doctrine de l'éternité du monde. Elle est en conséquence extrêmement dangereuse, mais elle a donné de belles fleurs, et bien évidemment de très belles. Elle est en conséquence extrêmement tentatrice. En ce qui concerne l'absence de fruits de la philosophie, voir le divan d'Halévy aux éditions Brody. Ce moment passé, un enfer pour l'esprit, il revient au bercail juif. Mais après cette expérience, il n'a pu s'empêcher d'interpréter le judaïsme à la manière dont seul un homme qui avait été un jour un philosophe pouvait l'interpréter. Car il avait fait alors l'expérience de la tentation démesurée de l'énorme danger constitué par la philosophie. La manière dont il défend le judaïsme contre la philosophie témoigne de cette expérience. Car s'il avait mis en scène un débat entre le rabbin et le philosophe, en d'autres termes un examen de la question cruciale par des gens véritablement compétents, il aurait fallu exposer le point de vue de la philosophie avec la dernière clarté et la dernière vigueur, et ainsi présenter une critique extrêmement solide et sans faiblesse de la religion révélée faite par le philosophe. Il ne peut y avoir de doute, répétons-le, que le rabbin aurait répondu aux arguments du philosophe, mais il est difficile de dire si les arguments du philosophe n'auraient pas pu impressionner davantage tel ou tel lecteur que la réplique du rabbin. Le Kuzaris serait ainsi devenu un instrument de tentation, ou du moins de confusion. Du calame, de la défense de la religion au moyen de l'argumentation, le rabbin qui expose lui-même une telle défense dit expressément qu'elle peut devenir dangereuse parce qu'elle conduit au doute ou qu'elle implique le fait de douter. Mais ce qui est vrai du calame est bien entendu infiniment plus vrai de la philosophie. Rien n'est plus révélateur que la manière dont Halévy démontre ad oculos le danger de la philosophie. Le roi a été converti au judaïsme et cela signifie que sa résistance fondée sur l'influence de la philosophie a été vaincue. Il a reçu une instruction précise de la foi juive. On a fait ressortir devant lui les erreurs des philosophes chaque fois qu'on l'a pu. Il a même commencé à se prendre lui-même pour un juif comme un autre. Alors presque à la fin de leur conversion, une question qu'il pose conduit le rabbin à lui exposer très sommairement et de manière très conventionnelle l'enseignement de la philosophie. La conséquence de ce dévoilement est contraire à toute attente raisonnable. En dépit de tout ce que les hommes et les anges ont fait pour le protéger, le roi est profondément impressionné par cet exposé, pourtant extrêmement terne, de la philosophie, et cela au point que le rabbin doit répéter entièrement sa réfutation de la philosophie. C'est uniquement en examinant l'argumentation philosophique dont Halévy se contente de donner une esquisse que l'on pourra faire apparaître son objection réelle et non explicite à cette argumentation et sa réfutation. L'explication suggérée pourrait sembler imputer à Halévy un degré de timidité qui ne convient pas à un grand homme. Mais la ligne de démarcation entre la timidité et la responsabilité est différente selon les époques. Comme la plupart des gens le reconnaîtraient tout de suite de nos jours, il nous faut estimer un auteur en fonction des critères qui prévalaient en son temps. À l'époque d'Halévy, le droit, sinon le devoir, de réprimer des enseignements et des livres, risquant de nuire à la foi, était généralement admis. Les philosophes eux-mêmes ne s'y opposaient pas, car la conscience du caractère dangereux de la philosophie n'était pas réservée à ses adversaires orthodoxes comme Halévy. Les philosophes eux-mêmes avaient repris la distinction traditionnelle entre les enseignements exotériques et les enseignements ésotériques.
et il soutenait en conséquence qu'il était dangereux et par suite interdit de communiquer l'enseignement ésotérique au public tout entier. Ils composaient leurs ouvrages conformément à cette opinion. Les difficultés inhérentes à la présentation de la philosophie par Halévy peuvent fort bien faire être l'écho des difficultés inhérentes à la présentation de la philosophie par les philosophes eux-mêmes. Vers le début de son Aï Ibn Yaqdan, Ibn Tufayl rend compte de manière remarquable des contradictions de Farabi à propos de la vie après la mort et de contradictions similaires de la part de Ghazali. Il fait également mention de la différence entre la doctrine apparemment aristotélicienne d'Avicenne dans le cas Al-Shifa et sa véritable doctrine exposée dans sa philosophie orientale. Et il nous informe de la distinction faite par Avicenne entre la signification extérieure et la signification intérieure à la fois des écrits d'Aristote et de son propre cas Al-Shifa. Enfin, il fait mention de la manière d'écrire elliptique et énigmatique de Ghazali dans ses ouvrages exotériques et de la disparition de ses ouvrages ésotériques ou de l'impossibilité pratique d'y avoir accès. À mon avis, la plus frappante de ces difficultés est la caractérisation des diverses sectes philosophiques, celles de Pythagore, d'Empédocle, de Platon, d'Aristote, etc., comme des sectes mutakallimoun. Il y est incontestablement question des philosophes. La présentation de l'enseignement philosophique est introduite comme une présentation du kalam. Sur les deux types d'aristotéliciens, il est à peine nécessaire de dire explicitement que même les livres ésotériques ne sont pas ésotériques au sens strict du terme, mais simplement plus ésotériques que les ouvrages exotériques. Le fait que de telles informations ne soient pas considérées de nos jours comme fondamentales pour la compréhension de la philosophie médiévale ne constitue pas une preuve de leur insignifiance.